quartier général de Google dans le Silicon Valley en Californie. Pourquoi ? Mais je crois que pour le pain quotidien, je crois que ce serait un win-win pour Google de se faire inspirer par les valeurs du pain quotidien, la simplicité, la convivialité, toutes ces vieilles traditions qui sont de plus en plus importantes et pertinentes dans le monde d'aujourd'hui. Et je crois que ce serait superbe pour le pain quotidien d'apprendre et de mieux apprendre à connaître les évolutions technologiques, là où Google nous amène dans le monde de demain. Je crois que le pain quotidien, comme toute enseigne, doit savoir où tout cela nous amène pour en faire le mieux. Votre plus grande fierté en tant que CEO du pain quotidien, c'est Malgré toutes les opportunités de croissance, avoir pu garder cette croissance responsable. Le pain quotidien, que vous soyez à la rue d'Ansar ou à Tokyo ou à New York, c'est un pain quotidien. C'est un havre de paix, c'est resté la même chose. Le plat ou l'aliment qui ne rentrera jamais dans un pain quotidien tant que vous serez CEO du pain quotidien. Le gros seau de pop-corn avec le 2 litres de Coca-Cola. Le poison. Trop sucré. Trop sucre, pas bien, tout pas bien. Et c'est une des raisons pour laquelle au pain quotidien on a pris cette décision courageuse il y a autant d'années de ne plus servir de Coca-Cola, même aux États-Unis, au pain quotidien. Ce n'est pas possible.